plaisir à Venette de nous accueillir et de nous accorder cet entretien, Roger Puivet et moi-même. Cet entretien, pour nous, il n'a qu'un seul but, c'est d'essayer de comprendre par votre bouche la trajectoire qui a été la vôtre depuis les premiers livres des années 60, publiés dans les années 60, jusqu'au dernier livre, 2009, si je me souviens bien, Codicille. Ces livres qui vous font aller de la critique littéraire, la théorie littéraire, la philosophie de l'art, il y a 15 ans, avec les deux volumes très importants dont nous reparlerons sûrement, qui s'appellent L'œuvre de l'art, et puis les derniers volumes, qui sont des volumes de littérature, on pourrait dire. Et nous voudrions savoir comment cette trajectoire qui a été la vôtre, avec ses tours et ses détours, s'est faite, et comment vous la pensez, vous en pensez la continuité et peut-être aussi les ruptures. Donc effectivement, j'ai commencé dans la critique littéraire, ce qui était ma voie toute naturelle après avoir passé une agrégation de lettres classiques. Donc j'ai commencé effectivement par des études de critique, dont les trois premières, si je me rappelle bien, portaient sur la poésie baroque française, ce qui était un peu en marge d'un livre que je venais de découvrir, qui était le livre de Jean Rousset, Circé et le Pan, sur la poésie baroque. Donc j'ai passé deux ou trois années à un rythme très très peu soutenu à ce moment-là, parce que j'enseignais, j'avais pas mal de choses à faire et à apprendre en même temps. J'ai passé au moins deux ou trois ans à m'ébrouer un peu dans le champ qui était tout à fait neuf pour moi de la poésie baroque. Et puis, comme j'enseignais à cette époque dans une petite hippocagne de province où j'avais une liberté de choix de mon enseignement total, les choix de mon enseignement ont commandé les choix de mes divers essais par la suite, qui ont porté sur Proust, sur je ne sais plus très bien quoi, Robe Grillet, deux ou trois essais métacritiques sur, je ne sais plus, sur Bachelard peut-être, sur Thibaudet sûrement, 68, Le Choc, Les Vacances Forcées, pas d'essence, enfin vous connaissez l'histoire, je me suis trouvé pendant quelques semaines, presque quelques mois, enfermé chez moi, pour ainsi dire, là où j'habitais, c'est-à-dire dans un coin de banlieue sud, ce qui m'a beaucoup obligé à travailler tout seul, sans rencontrer personne. Et ça a coïncidé aussi avec un changement d'affectation professionnelle, puisque en 1960, je me perds toujours un peu là-dedans, j'étais assistant à la Sorbonne en littérature française entre 63 et 67. Donc j'avais à ce moment-là quitté mon hippocagne de province. J'avais comme assistant à la Sorbonne un service qui ne présentait pas un grand intérêt, donc ça ne m'empêchait pas, bien au contraire, de travailler pour moi, comme on dit. Et je crois que c'est en 67 que j'ai été, enfin, plus ou moins ou progressivement affecté à l'école des hautes études, à ce qui s'appelait à cette époque la 6e section de l'école des hautes études. Ce qui était, alors d'abord comme, je ne sais quoi, stagiaire sans doute, maître assistant stagiaire, quelque chose comme ça. Bon, puis, ensuite, il y a eu quelques échelons à gravir. Mais donc à partir de 67, et en 68 aussi déjà, j'étais à l'école des hautes études, donc évidemment professionnellement, en dehors des circonstances politiques, professionnellement plus complètement libre
des objets de mon enseignement. C'est-à-dire que j'ai retrouvé là, après ces 4 ans d'assistanat à la Sorbonne, qui n'avait rien de bien excitant, j'ai retrouvé là, en fait, à l'école des hautes études, les conditions de travail qui avaient été les miennes quand j'étais prof d'Hippocagne en province. Et je suis resté dans cet état-là jusqu'à ma retraite. Donc je peux dire que je n'ai vraiment pas à me plaindre de ce qui a été ma trajectoire universitaire, professionnelle, disons. Alors, intellectuellement, ce qui s'est passé dans ces années-là, c'est-à-dire un peu au milieu de la tourmente, pré-68arde, 68arde, post-68arde. Le pire, je trouve, pour moi, a été la période post-68arde, parce que vraiment, toutes sortes de choses que je considérais un peu comme des vésanies intellectuelles et politiques se donnaient libre cours. Donc, je prenais un peu beaucoup de recul par rapport à tout ça. Dans ces années-là, oui, tout de suite après 68, je pense, j'ai été un peu orienté vers ce qui a constitué mon travail pendant 2 ou 3 ans, jusqu'à 1972. J'ai été orienté par Roland Barthes vers l'étude du récit. Alors, l'étude du récit, c'est une chose assez curieuse, parce que nous étions encore en pleine nouvelle critique, ce qui voulait dire quand même un mode de critique plutôt psychologique que technique. Et il est arrivé un jour, je n'ai jamais très bien su ni pourquoi ni comment, il est arrivé un jour que Roland Barthes, qui était un peu notre maître à penser à 3 ou 4, dont Tsvetan Todorov et moi, par exemple, nous a réunis. Il avait une espèce de petit groupe informel qu'il pilotait d'une main plus ou moins ferme. Il nous a dit, je vais faire un numéro spécial de la revue Communication qui portera sur l'analyse du récit. Alors, l'analyse du récit, moi, c'est un objet auquel je n'avais pas encore pensé. J'étais plutôt tourné vers des textes de type poétique que narratif. Et donc, voilà, il nous a dit qu'il faut s'y mettre. Il a essayé de distribuer un peu les tâches pour ce qui devait être un numéro important d'une revue qui, à cette époque, était effectivement importante. Comme ça, à la croisée un peu du littéraire, du sociologique, de l'idéologique, du philosophique. C'était une revue évidemment importante. Et nous n'avions pas encore, si je ne m'abuse, fondé la revue poétique qui allait prendre un peu le relais pour ce qui nous concernait, en tout cas Todorov et moi. Donc voilà, le récit. Oui, je n'avais jamais beaucoup pensé à cet objet. Et j'ai dit à Barthes, mais moi, le récit, c'est pas mon truc. Je vois vraiment pas ce que je peux vouloir dire. Moi, c'est plutôt bon. Eh bien, c'est très bien. Il me dit, voilà un très bon sujet. Voilà. Vous allez nous expliquer, vous allez nous faire un article. J'en avais quand même écrit quelques-uns et publié quelques-uns. Il me connaissait, il savait où j'en étais. Très bien, faites-nous un article pour expliquer pourquoi vous avez quelques difficultés à vous atteler à ce sujet. Ce que j'ai fait de façon un peu détournée, en fait, dans un article pour ce numéro de communication qui s'appelait Frontières du récit et qui visait effectivement à délimiter le territoire, à cerner un objet. Que j'avais ou que je n'avais pas l'intention de considérer, mais bon, mettre un peu le récit, parce qu'autrement c'était un objet intellectuel qui semblait complètement flotter dans le vide, exposé un peu à tous les vents. Donc j'ai essayé de cerner un peu les choses, et bon, à force de dire pourquoi le récit n'était pas mon truc, évidemment, c'est devenu un peu mon truc. Et c'est ce qui m'a conduit
bon, quelques circonstances professionnelles s'y prêtant, une invitation aux États-Unis qui m'a obligé à proposer un sujet de cours précis. C'est ce qui m'a conduit peu à peu à une étude tout à fait frontale et tout à fait déterminée de ce que j'ai appelé les structures narratives. Le mot structure servait à tout couvrir à cette époque. Qui a abouti en 72 à cet article qui fait l'essentiel du recueil Figure 3 et qui s'appelle Discours du récit. Si je ne m'abuse, Discours du récit. Ça a été une étape assez nette parce que pendant 2 ou 3 ans, sous diverses formes, des cours en France, des séminaires en France, des diverses conférences, divers cours à l'étranger, un cours pendant tout un semestre à Yale, etc. Bon, j'étais un peu plongé dans cet objet narratif auquel j'ai fini par prendre un certain goût, grâce à Proust, à vrai dire, puisque ne sachant pas trop bien à partir de quel corpus je pouvais attaquer et traiter cet objet, que sont les formes narratives, il se trouve que sous un autre angle, j'avais à faire un cours sur la recherche du temps perdu. L'illumination m'est venue un jour que la recherche du temps perdu était évidemment un terrain idéal pour l'étude des formes narratives, parce que les formes narratives chez Proust, il y en a pas mal, des exemples de toutes sortes, de toutes les dimensions possibles et imaginables, de tous les ressorts et de toutes les mécaniques, etc. Donc, ça m'a conduit à l'idée de faire une étude qui fut à la fois critique, puisque ça portait sur Proust, enfin sur la recherche du temps perdu, à la fois critique et théorique, puisque à travers cette étude du dérégime narratif de la recherche du temps perdu, j'étais amené peu à peu à proposer des catégories générales qui me servaient donc à définir tel ou tel phénomène de mécanique narrative à l'œuvre dans la recherche du temps perdu, et inversement, quand j'avais découvert une catégorie qui me paraissait intéressante, j'avais un réservoir infini. Voilà ce qui a été mon travail pendant les 2 ou 3 ans qui ont abouti à la publication de Figure 3. Ce qui est remarquable, c'est que vous ne partez pas d'un programme, d'une méthode ou d'une réflexion théorique. Vous avez plusieurs facettes, plusieurs objets sur lesquels vous travaillez presque de manière contingente, grâce à la rencontre avec Roland Barthes notamment. C'est vrai que dans Codicille, vous dites que vous avez le génie des facettes. Je ne dis pas que vous récusez. Vous récusez le terme de génie. Mais vous ne récusez pas celui de facette multiple. Je n'ai pas de génie, mais j'ai des facettes. Donc votre projet théorique ou vos projets théoriques se sont constitués dans la relation singulière avec des œuvres singulières. Et avec des collègues, avec la rencontre avec des collègues singuliers comme Roland Barthes ou Todorov. Oui. On pourrait peut-être revenir sur le moment des années 60. Oui. Vous avez parlé de Michel Foucault, oui. Jacques Lacan. Derrida. Oui. Donc ce moment des structures, quel était votre rapport avec ce type de théorie et... Bon, évidemment, pour moi,
le modèle de pensée structurale, ça a été Lévi-Strauss. Je n'ai plus une idée très précise de la chronologie de la publication de ses œuvres, mais enfin, la pensée sauvage... L'anthropologie structurale. L'anthropologie structurale. Enfin, ces ouvrages les plus larges. Je ne suis pas entré dans la technique de ces études proprement ethnologiques, mais celle-là, l'anthropologie structurale, ça a beaucoup contribué à me donner une petite idée de ce qu'on pouvait éventuellement appeler le structuralisme. Ça, d'un côté... Bachelard, ben vous voyez un peu en quoi ça peut consister de l'autre. Mais pas seulement ces études proprement... Enfin, ces grandes études sur l'air et les songes, la terre, etc. Enfin, sur les quatre éléments. Mais j'ai lu et relu avec passion un livre qui est plutôt d'épistémologie de lui, qui est « La formation de l'esprit scientifique ». Ça m'a beaucoup marqué. Je l'ai relu même assez récemment et j'ai retrouvé tout ça avec beaucoup d'intensité. Donc c'est de là, mais pas seulement c'est de là, parce que c'est le moment où on commençait de s'introduire dans notre champ intellectuel les études linguistiques. Et ça, la découverte de la linguistique, ça a contribué évidemment de manière tout à fait décisive à ce qu'on pourrait appeler la formation d'une attitude d'esprit qu'on qualifiait de structuraliste. Je mettrai bien sûr juste comment définir ça, mais vous voyez bien que Lévi-Strauss, Jacobson, ils se tiennent un peu l'un l'autre. Et puis la linguistique, c'était pas seulement les... Il y a eu toute l'arrivée des formalistes russes qui nous a été... apporté par Todorov, alors qui venait de débarquer l'Orient Express, enfin bref, le direct Sofia-Paris, qui a été une grande ligne intellectuelle pendant quelques années, comme vous savez. Découverte, non pas de l'anthropologie, mais de certains principes par Lévi-Strauss, appuyés sur la pratique scientifique de l'anthropologie, la linguistique, avec les formalistes russes, mais bien d'autres, parce qu'on découvrait en même temps d'autres contributions linguistiques qui nous importaient beaucoup, venues de divers pays, enfin de France, avec Martinet, du Danemark, avec Jens Leff, et puis je ne sais plus trop quels autres, enfin... je me souviens d'avoir lu les principes de, peut-être pas principes, enfin, peu importe, une espèce de traité de phonologie de Trubetskoy, qui était un petit peu l'alter ego de Jacobson dans le domaine proprement linguistique. Et oui, l'étude de la phonologie était une grande école de pensée structurale. Je serais incapable de reconstituer le cheminement de la chose, mais enfin, ça a compté beaucoup. Il y a un autre courant intellectuel important en France à l'époque, c'est la phénoménologie. Est-ce que ça vous a intéressé ? La phénoménologie en elle-même, non, parce que je n'y comprenais pas grand-chose. Tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est que j'ai lu avec vraiment beaucoup d'intérêt Merleau-Ponty. Je ne sais pas si c'était en tant que phénoménologue ou en tant qu'essayiste assez brillant, même qu'il était à cette époque. J'ai lu « Signe », et c'est un livre qui est un peu oublié aujourd'hui, bien qu'on vienne de, je crois, republier l'essentiel de ses essais philosophiques. oui, « Signe », probablement sur une indication de Roland Barthes. Signe a été aussi pour moi, je ne saurais plus du tout dire, je ne saurais plus dire de façon précise en quoi, mais ce livre de Merleau-Ponty a été pour moi au moins une espèce d'encouragement, d'incitation et de justification théorique, quasi-philosophique,
d'un intérêt pour la sémiologie. Je n'ai pas prononcé le mot sémiologie jusqu'à maintenant, mais oui. Ça baignait évidemment dans tout ça. La sémiologie était un peu la plaque tournante, en somme, de toutes nos curiosités intellectuelles de l'époque. Oui. Bon, Sartre, phénoménologue, je n'ai à peu près rien lu de lui de ce point de vue, et tout le versant proprement philosophique, je n'ai jamais lu L'être et le néant, tout le versant proprement philosophique de l'œuvre de Sartre m'est resté un peu lettre morte, et pas beaucoup de sympathie pour la, je ne sais pas comment dire, pour la manière dont il maniait tout ça. Je trouvais Merleau-Ponty clair, net et bien propre sur lui. Sartre, je l'ai toujours trouvé un peu trop débraillé. Et donc, voilà. Mais et votre Flaubert vous a irrité. Oui, pour en finir sur le chapitre Sartre, j'aurais voulu savoir ce que vous avez pensé du Flaubert quand il est paru en plusieurs fois. Oui, c'était pour moi l'abomination de la désolation. C'était la fin d'Erico, c'était vraiment la chute finale. Je ne sais pas comment vous dire. Enfin, ça a été, j'exagère évidemment, mais ça a été pour moi la confirmation que je n'avais vraiment plus rien à faire de Sartre. Outre que, bon, il y a ce qu'en fait Sartre. Et puis, il y a Flaubert. Oui. Et mon intérêt pour s'intéresser à l'idole de la famille, il faut vraiment être un peu mordu de Flaubert, ou alors, enfin, soit pour, soit contre, enfin, soit pour adhérer, soit pour refuser. Il faut vraiment s'intéresser à l'objet, quand même, l'objet Flaubert, pour, comme ça, avoir une certaine idée positive ou négative de ce qu'en fait Sartre. Or, il se trouve que l'objet Flaubert, moi, n'a jamais été pour moi vraiment central. Je sais que c'est un point un peu douloureux chez les littéraires, entre les littéraires et moi, mais pas seulement les littéraires, le public qui s'intéresse à la littérature en général. Parce que, comment dire, je n'ai rien contre Flaubert, mais je trouve qu'on en fait trop à son sujet, pour employer un mot vraiment trop fort, mais bon, je trouve Flaubert un peu surfait. Ça me fait penser évidemment à un autre phénomène de monopole, à mon sens, abusif, qui est dans la définition, ou tout simplement plus largement la considération de la littérature, qui est le monopole du roman. Alors d'ailleurs, les deux choses sont liées évidemment, parce que on a fini par faire de Flaubert l'image même du romancier, enfin de son œuvre l'image même du roman, alors qu'après tout il a écrit d'autres choses. Alors, il y a, mais alors ça remonte plus loin que ces années-là, mais ça n'a fait que croître et embellir. Mais ça remonte plus loin parce que je me souviens que Thibaudet déjà s'en plaignait dans les années 30, qui est ce que Thibaudet appelait l'impérialisme du roman, c'est-à-dire cette attitude, mais qui est devenue un véritable tic chez les littéraires et dans le public, public des lecteurs de littérature, et surtout dans le, je ne sais pas comment dire, dans ce semi-public intermédiaire entre les lecteurs et les écrivains eux-mêmes, qui est constitué par les critiques, par les chroniqueurs, par les médias, dans la mesure où aujourd'hui, où dans la faible mesure où les médias s'intéressent à la littérature, il y a maintenant une espèce de dogme qui me rend vraiment très, très malheureux et qui est que qui dit littérature dit roman. Là, j'entends ça tous les jours. J'en parle probablement quelque part dans Bardadrac ou dans Codicille, je ne sais plus.
Mais tous les jours, en écoutant des émissions littéraires à la radio, par exemple, qui est un média pas trop méprisable, enfin, même parfois très, très estimable, j'entends à longueur d'émission des propos tels que oui, mais alors vous avez écrit plusieurs choses, je ne sais pas à qui ça s'adresse, vous avez écrit plusieurs sortes de choses, mais il y a une partie proprement littéraire, évidemment, parce que je vois sur la couverture, il y a écrit roman. Alors ça me met en boule, parce qu'on dit bah, d'abord, déjà, le respect apporté à l'indication générique qui figure sur une couverture de livre, Dieu sait combien on en use et on en abuse. Hein. Le premier Penku qui vient raconter sa vie, sans aucune espèce d'intervention de son imagination qu'il n'a pas ou qu'il ne veut pas avoir éventuellement, quand même, c'est pas tout ça, Coco, faut que ça se vende, alors tu vas me mettre roman. Si on passe bien des années, oui. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à la philosophie de l'art anglo-saxonne, à Goodman, à Budsley, à Danto, à Dickey? Parce que c'est sans doute ça qui a frappé au moins des gens comme moi au début des années 90, enfin, quand le premier tome de l'œuvre de l'art est paru, c'était que des auteurs qui étaient totalement inconnus en France, ou quasiment inconnus en France, étaient pour vous, vous les connaissiez très bien et vous étiez un point où c'était un point de discussion avec eux et pas simplement de restitution. Pardon. Oui, il y a deux aspects à ce tournant. Il y a un aspect proprement théorique qui me concerne sur un plan théorique, qui est que j'en étais arrivé dans ma réflexion sur la littérature à travers une série d'ouvrages comme Palimpsest, je laisse Mimologique de côté, c'est une chose un peu à part, mais dans la série Palimpsest, Seuil, Fiction et Diction, je m'étais approché peu à peu par des voies dont certaines étaient très, je dirais pas contingentes, mais très empiriques. Je m'étais peu à peu approché de la question, mais alors, question qui n'était pas nouvelle, et en particulier que Sartre avait traité à sa façon, de la définition de la littérature. Mais j'ai étudié toutes les formes de paratextualité, pardon, qui se trouvait à l'œuvre en littérature et d'ailleurs aussi plus largement dans d'autres arts. Alors, cette enquête sur le paratexte m'a conduit à une interrogation sur, en retour en somme, sur le texte et sur le rapport entre le texte et l'œuvre. Je me souviens d'une formule qui m'a beaucoup servi quand je travaillais sur le paratexte, qui était à peu près celle-ci. Le paratexte, c'est ce qui fait d'un texte une œuvre. Je crois que j'ai dû dire ça, quelque chose comme ça. Ça voulait dire que, voilà, le texte, il est là, mais il peut être éventuellement inerte, il faut qu'il soit mis en mouvement, il faut qu'il soit mis en œuvre par une démarche pragmatique, en quelque sorte, qui lui donne son rôle, qui lui donne sa fonction.
Donc, très bien, la littérature est un art. Ben oui, mais c'est très bien ça, mais un art, qu'est-ce que c'est au juste? Donc, ça m'a conduit peu à peu à me dire, bon, même, voilà, tu viens d'écrire Palimpseste, tu viens d'écrire Seuil, tu viens d'écrire Fiction et Diction, tu as essayé de t'expliquer sur ce qui fait qu'un texte est ou n'est pas une œuvre littéraire, te battre un peu avec la distinction bartésienne entre écrivain et écrivant, qui ne m'a jamais satisfait, mais bon, il fallait quand même essayer de tout ça. Donc, c'est ce que j'ai un petit peu essayé de faire dans Fiction et Diction, qui est une œuvre pivot entre le purement littéraire et la théorie de l'art plus générale. Et donc, ayant fait ça, je me suis lancé dans une interrogation alors vraiment très naïve et très peu armée sur le statut et sur la fonction des œuvres d'art en général. Bon, là, j'ai ouvert des grandes fenêtres sur, heureusement, ben, d'ailleurs sinon probablement je n'aurais pas fait, sur des domaines que je connaissais bien empiriquement, parce que j'ai toujours, bon, un peu comme tout le monde, beaucoup fréquenté la peinture, l'architecture, la musique, etc. Enfin, etc. Oui, le cinéma. Donc, il fallait que j'essaye de me colter un peu avec les problèmes de définition que je rencontrais forcément là-dessus. Là-dessus, je dois bien dire un peu un hasard. Ce n'était pas le premier. Hein. Un hasard décisif dont je peux même vous retracer le cheminement. Enfin, la façon dont il m'est advenu. J'ai lu dans je ne sais quel livre de Ricoeur, je ne sais pas. Je ne vais pas m'étendre sur mes relations avec Ricoeur qui n'ont jamais été très, 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 très fécondes pour moi. Pour lui non plus. Bref, je lisais quand même un peu de Ricoeur tout en. Bon, quand je lisais Ricoeur, je me demandais toujours un peu de quoi il parlait. Ça m'échappait beaucoup. Il y a pourtant des sujets sur lesquels nous étions. Enfin, il y a des sujets sur lesquels nous sommes. Nous étions un peu sur le récit, notamment sur le récit, sur la métaphore. Oui. Bah, ce sont les deux sujets essentiels dans son œuvre, en tous les cas, de ce côté-là. Je n'ai jamais très bien compris ce qu'il voulait dire. Peu importe. Je crois que j'ai lu dans la métaphore vive, c'est ça. Oui, il y a un chapitre sur Goodman. Ouais. Voilà que Ricoeur me parle d'un certain Goodman. Mm-hmm. Et je vois, mais vous allez voir comme les choses sont futiles. Je vois tout simplement que je ne sais plus ce qui. De toute façon, pour comprendre ce que Ricoeur disait de Goodman, il fallait d'abord lire Goodman, sinon on ne comprenait rien. Bon, ce n'est pas ce que j'ai fait. Simplement, j'ai vu qu'il désignait un livre de Goodman qui s'appelait Languages of Art. Une ampoule s'allume parce que Languages of Art c'est un titre prometteur dans le genre paratexte, on fait pas mieux. Donc je lâche Ricoeur, j'oublie complètement, je crois que je ne suis plus jamais revenu à ce que Ricoeur disait de Goodman, je crois que bien m'en a pris. Donc voilà, je suis un jour allé acheter, je ne sais plus comment, je ne sais plus où, parce que ça ne se trouvait pas que sous le pas d'un cheval, quand même, Languages of Art, en France, en anglais et en France. Goodman continuait d'être pour moi le plus intéressant, mais enfin, il y avait tout un champ de discussion autour de lui dont il fallait s'occuper. Si je voulais me lancer dans quelque chose dont la base théorique, je parle du premier volume de l'œuvre de l'art, en fait, hein, sur mode d'existence des œuvres. Si je voulais me lancer dans une étude théorique dont la base était constituée par l'œuvre de Goodman, il fallait aussi un petit peu que je voie dans quel champ ça s'était passé, comment Goodman lui-même avait été accueilli, quels étaient ceux
dont il s'était inspiré, pas beaucoup, et quels étaient ceux avec lesquels il n'avait pas été d'accord, beaucoup plus. Donc ça m'a amené à lire Beardsley, Eliseo Vivas, je ne sais pas quoi. Des gens dont j'ai un petit peu oublié maintenant, évidemment, les contributions. Si je relis un peu le premier volume de l'œuvre de là, je me demande vraiment comment j'ai pu lire tout ça. Mais le fait est que je l'ai fait et que ça m'a donc à peu près aidé à mettre au clair pour moi ce que j'ai appelé, enfin, une étude de ce que j'ai appelé le mode d'existence des œuvres. Ce qui fait, bon, pour l'essentiel, l'influence de Goodman est là et s'arrête là, en quelque sorte, puisque le deuxième volume... Bon, alors, donc, à partir de là, j'ai eu un peu l'idée claire qu'il y avait dans ce nouveau travail deux versants, celui dont je viens de parler, le mode d'existence des œuvres, ce qui est considérable quand même, encore une fois, le double mode d'existence d'une œuvre musicale, par exemple, c'est un sujet vraiment en soi capital. Je ne suis pas toujours d'accord avec la manière dont Goodman règle cette question, mais enfin, peu importe, il y a touché. Et puis j'ai compris qu'il devait y avoir un autre versant dans cette étude qui serait, non pas le mode d'existence, mais bon, on peut appeler ça comme ça, en quoi consiste la relation esthétique qu'on a aux œuvres d'art. Donc ça a été l'objet du deuxième volume de l'œuvre de l'art, au cours duquel, à la faveur duquel, j'ai pris conscience du fait que j'avais pris un angle qui était au départ trop étroit, qui était celui des œuvres d'art, alors que la relation esthétique est un phénomène qui est beaucoup plus large que la relation artistique, enfin, que la relation aux œuvres d'art. Donc, mon deuxième volume a dû un peu prendre du champ par rapport au premier, et là, je suis tombé sur de nouveau une ampoule qui s'allume, c'est Kant, évidemment. Bon, là, j'ai eu à la critique de la faculté de juger une relation aussi ambiguë que celle que j'avais eue avec l'œuvre de Goodman, c'est-à-dire que, lisant, découvrant, je dois le dire, à ma honte, je n'avais jamais lu ce livre, ni rien d'autre de Kant, d'ailleurs, jusque-là. J'ai découvert ce livre, j'ai découvert que j'étais absolument convaincu par la démonstration, si on peut l'appeler comme ça, de Kant, jusqu'à un certain point. Et que le point où Kant, à mon avis, s'arrêtait, moi, j'avais envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que, bon, enfin, je trouve que l'analyse de Kant m'a éclairé sur la nature de l'appréciation esthétique, jugement de goût, etc. J'ai trouvé ça absolument lumineux, pas commode toujours non plus, d'une langue un peu étrange, mais enfin, il y a des côtés amusants. Donc ça m'a énormément éclairé sur la nature et confirmé ce que je sentais plus ou moins confusément, en quoi consiste l'appréciation esthétique, d'une part. D'autre part, m'a confirmé ce que là aussi je sentais de façon confuse, que la relation aux œuvres d'art n'était qu'un cas particulier de la relation esthétique, et ô combien particulier, chez Kant en tout cas, en fait, chez Kant, la relation aux œuvres d'art, il s'en fout un peu. Hein. Oui. Les œuvres d'art, il s'en fout. Mm. Ce qui l'intéresse donc, c'est la relation au chant du rossignol, au paysage, etc. Ah bon, si c'est. Il y avait une phrase extraordinaire. On entend un très beau chant, chant du rossignol. On dit, mais non, c'est pas un chant du rossignol, c'est quelqu'un qui imite le rossignol. Ah bon, ça n'est que de l'art.
Il dit à peu près ça, oui. Kant. Bon, je me suis dit, si Kant dit ça, je dois pouvoir, je dois pouvoir en dire autant. Et très bien. Donc, je me suis retrouvé kantien jusqu'à un certain point qui est celui, vous savez ça, le point où Kant considère comme légitime, déclare légitime, la prétention à l'universalité du jugement de goût. Alors là, je ne le suis plus parce que je pense que cette prétention... il n'a pas réussi à me convaincre de la légitimité de cette prétention. Donc j'en suis resté à mon subjectivisme, à un subjectivisme qui est le sien, mais auquel il met fin d'une certaine manière par une espèce de coup de force que je ne comprends pas bien. Donc moi, j'en suis resté au subjectivisme. J'ai abandonné toute prétention à l'universalité. J'ai pensé qu'on devait abandonner toute prétention à l'universalité, que le sensus communis, je crois, c'est l'expression qu'il emploie, était une... fiction. Une fiction, une illusion. Une illusion. Et que donc, voilà, là je suis tombé sur un philosophe auquel plus personne ne s'intéresse, qui est Santayana, qui, en quelques pages, pose ce fait qui est pour moi, là aussi, une lumière qui éclaire tout, qui est que le jugement subjectif, que l'appréciation esthétique qui est foncièrement subjective, est en même temps et du même coup foncièrement objectivé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, aimer un paysage sans avoir la conviction que ce paysage est beau. Et c'est-à-dire dire j'aime ce paysage, la façon la plus naturelle dont on exprime son admiration pour un paysage, c'est dire ce paysage est beau. Donc, l'objectivation est un mouvement absolument immédiat et consubstantiel à l'appréciation esthétique. C'est comme ça que j'ai compris la chose, en tout cas. Et que donc, l'appréciation, le jugement de goût, est foncièrement à la fois subjectif et ancré dans une illusion d'objectivité. On ne peut pas aimer quelque chose sans avoir l'illusion que cette chose est aimable en soi. Alors, si quelqu'un ne l'aime pas, alors on commence à s'engueuler, etc. Mais ça ne mène pas, non. Ça mène nulle part. Alors, on pourrait parler de codicille. Parler de Bardadrach et de Codicille, qui constituent la trajectoire, le bout de la trajectoire pour l'instant. Et on voit bien que tout ce qu'on a dit depuis un certain nombre de quarts d'heure semble se diffracter, non, en des textes courts, fragmentaires. C'est comme ça que vous verriez Bardadrach et Codicille par rapport à tout ce que, vous avez fait avant, et dont on voit bien que il n'y a pas de rupture, effectivement. Non, il n'y a pas de rupture. Il y a une inflexion. Bien sûr, oui. Assez manifeste. Mais je n'expliquerai pas l'absence de rupture. Je ne sais pas comment on dit, la continuité. Je n'expliquerai pas la continuité tout à fait en ces termes. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il se diffracte dans Bardadrach et dans Codicille un certain nombre de pages qui ne sont pas sans rapport avec ce que j'ai écrit précédemment jusqu'à l'œuvre de l'art. Et pas seulement l'œuvre de l'art, parce qu'il y a eu figure 4, figure 5 et Métalèbes, ce qui ont encore été une espèce d'après-coup, disons, de l'œuvre de l'art. Je n'avais pas tout à fait vidé mon sac. Donc, il y a quelques textes dans figure 4, surtout dans figure 5,
quelques textes que je considère comme complémentaires à l'œuvre de là. Je n'ai pas voulu les reprendre dans la publication en un volume parce que ça aurait compliqué beaucoup les choses, mais bon, il y a eu encore quelques répliques à des questions soulevées dans l'œuvre de là. Disons, tout se passe comme si à un certain moment je m'étais dit ta subjectivité dont tu fais grand cas, faudrait peut-être en dire plus, faudrait peut-être la décrire, faudrait peut-être la mettre noir sur blanc. Or, j'avais des espèces de petits textes, des espèces de petits fragments qui traînaient depuis des années. Certains remontent, je ne sais pas, avant les années 50, je ne peux pas vous dire. Je ne sais plus d'ailleurs. Plus certains, je les ai abandonnés en cours de route. Mais enfin, bref, j'avais des choses qui traînaient comme ça et qui étaient des fragments. J'ai pensé donc que peut-être je pouvais essayer, puisque ça, c'était quelque chose qu'on pouvait bien essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Je veux dire, si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Je vais essayer de faire quelque chose qui sera de l'ordre des fragments. À ce moment, je pensais fragments, sans plus de précision. Quelque chose qui soit de l'ordre du fragment, des fragments qui peuvent s'aligner, qui peuvent s'empiler comme ça. Si ça aboutit à quelque chose de correct, tant mieux. Si ça n'aboutit pas, c'est pas grave. Si tu meurs en cours de route, c'est pas grave non plus, parce que des fragments, ça peut toujours. Ben, j'avais toutes sortes de raisonnements tout à fait existentiels sur le mode du au point où tu en es, essaye de faire quelque chose qui puisse aboutir ou ne pas aboutir et que ça n'ait pas beaucoup d'importance. C'est tellement allégeant dans la vie d'avoir un type de travail comme ça, de cette sorte, de dire bon, ben aujourd'hui tu fais rien, demain il deviendra une idée, si elle ne vient pas, tant pis. C'est ça. Être dans le si ça marche pas, tant, ça n'a pas être dans le ça sera pas grave, c'est une très très grande jouissance, pas seulement jouissance, mais enfin ça aide à vivre quoi. Ouais. Et puis entre deux, ben on vit. Comme ça. Écoutez, je trouve que c'est une belle et encourageante conclusion à notre entretien. Oui, j'avais une phrase de Bourvil à vous citer. C'est bien. Alors dites-la. À propos de la subjectivité, tout ça. Bourvil disait, le dire c'est bien, le faire c'est mieux. C'est ce que j'ai essayé de faire en passant du théorique au pratique. Merci beaucoup, Gérard Jeannette. Merci à vous.